européenne, l'Angleterre et l'Allemagne, c'est vrai au niveau statistique, en termes d'histoire, footballistiquement parlant. Et l'Angleterre, c'est un petit poussin comparativement avec l'Allemagne, mais c'est deux grandes Europe, deux sélections nationales qui gagnaient depuis gros ligue, la Gaio, la Première Ligue et la Bundesliga. Donc, nous allons vraiment parler de match en football, ça. Et puis, nous allons faire une analyse sur l'ensemble de 8e de finale qui se joue. Et puis, affiche quart de finale qui pourra le faire, puisque son Coupe d'Europe tout à fait surprenante par rapport avec un ensemble de favoris qui déjà quitté et compétition n'a pas vu faire le point. On a parlé également de Copa América qui va jouer quart de finale et Copa América tout à fait spécial. Nous allons jouer ensemble affiche qui va le faire dans chaque groupe. Hier soir, Argentine a gagné avec Léo Messi qui était vraiment en grande pompe. N'a pas vu d'en parler de ça et n'a pas ouais quelques chiffres qui ont à ouais avec Coupe d'Europe là, surtout édition ça qui déjà une édition historique en termes de buts marqués. C'est moi-même Sonny Eliatus qui n'a mis quoi et puis dans la technique là, gagné d'Alens avec Kenley et puis Cadonio qui là et sans oublier Zami nous, frère nous, qui créent surprise là. Même genre, ils créent à créer surprise dans la compétition. Hein? D'autres équipes encore à créer surprise. Eh bien, c'est Mackinson Sévère qui l'a ensemble avec nous, mais malheureusement, qui n'est pas présent sur le plateau, hein, puisque je ne sais pas porter là très bien, mais situation oblige, monsieur, il faut passer là. Et nous saluer d'une manière spéciale, puisque senti moi-même mon chagrin de Mackinson parce que moi remets travail en duo. En entrée dans la Coupe d'Europe et avec sac saute fête matin. Et d'abord, à midi, tu as gagné et l'Angleterre qui t'a joué contre l'Allemagne. Il y a un match en pile monde, tu n'as pas return puisque. Et anglais yo gagné yon effectif vraiment pléthorique, yon effectif riche avec des très bons joueurs, surtout dans le secteur offensif là. Même en défense, nous capables de dire ça, nous capables de dire anglais yo, bon, dans toute ligne, nous capables de dire anglais yo et chargé joueur. Si nous prenons par exemple dans l'axe défense là, l'opérant Harry Maguire, ou prend John Stones, ou prend Kyle Walker, et puis ou prend aller sous banc, ou après ou gagner de joueurs vraiment intéressants, et sous banc, et Tyrone Mings, et sans oublier sous couloyau, Ben Chilwell, Luke Shaw, et Reece James, vraiment, ouais, son effectif pléthorique qui gagnait de joueurs vraiment très intéressants. Et puis, dans notre jeu, on va regarder, c'est Declan Rice qui a joué aux côtés de Phillips. Et Calvin Phillips qui a joué en équipe Leeds United là. Et puis, l'autre allait sous banc, il a gagné Timothy Montre, qui c'est un excellent footballeur. Il a gagné Jordan Henderson, c'est capitaine de Liverpool, qui sont un joueur très important, mais qui sous banc. Nous pourrions aller en attaque, Marcus Rashford, il y a un élément important dans Manchester United et qui était important en sélection nationale d'Angleterre. Et ceux qui sous banc, Jack Grealish, qui c'est un excellent footballeur. Jadon Sancho qui gagnait des chiffres impressionnants dans l'équipe Dortmund là, mais qui c'est un remplaçant dans la sélection et anglaise. Et sans oublier Phil Foden qui s'est joué une superbe saison avec l'équipe Manchester City, mais qui était titulaire dès le début. Malheureusement, mauvaise performance. Pour le fait, coach Gareth Southgate mettez monsieur sous banc pour le capable rentrer avec Bukayo Saka
qui bail équipe là beaucoup plus de percussion que Phil Foden qui bail équipe là yo allant offensif très intéressant et donc monsieur jusqu'à date qui a joué bien en compétition hein. Et donc ouais c'est une équipe qui a un effectif vraiment très riche. Équipe ça il a joué face à l'Allemagne. L'Allemagne qui dans une situation extrêmement compliquée, situation allemande, l'hypoco capable de résoudre. Depuis après sacre champion du monde allemand en 2014, eh bien l'Allemagne qui poco qui pas jamais qu'a joué dans repère li, qui pas joué dans football, li t'a pas joué en 2008 2010 et puis Coupe d'Europe en 2012 également et Coupe du monde là. Moi toujours fait allusion ensemble avec ça, même que c'est pas réponse idéale là. Moi toujours dit équipe Allemagne là, moun qui t'a fait travail terrain qui c'était Hans Dieter Flick, et bien ceux qui t'es pas équipe là, ils ont beaucoup plus talent et on base technique qui était très élevée. Équipe là qui était paraît beaucoup plus compact, t'es un jouet qui était beaucoup plus défini avec Hans Dieter Flick comme adjoint Joachim Löw. Et depuis les Hans Dieter Flick fin quitté équipe là en 2014 après champion du monde, après l'Allemagne fin champion du monde, ouais équipe là il fin perdu repère ça yo, ouais équipe là déséquilibré totalement, même que gagné et des joueurs qui pas là par exemple les Kedira Mesut Ozil qui c'était des éléments clés en dans équipe ça Miroslav Klose même qu'il était très âgé mais c'était un élément qui était très important qui était coûté à tout parle en dans équipe allemande là. Allemagne depuis 2014 dans une situation extrêmement difficile, équipe là li pas capable gagner, résultat yo pas à la portée de la sélection allemande de football qui a remporté 3 Coupes d'Europe des Nations et 4 Coupes du Monde. L'Allemagne qui a gagné des chiffres vraiment impressionnants dans chaque compétition l'a organisée. Et pas oublier, l'Allemagne l'y sortit par la petite porte dans la Coupe du Monde 2018 là, au premier tour. Donc l'Allemagne qui a coulé malgré Joachim Löw, t'es estimé gagner des joueurs qui pas gagner niveau pour y ont joué en un équipe de Manchester là encore Boateng, Emma Tumels et Thomas Müller, Monsieur Sayo, Joachim Löw qui t'es metté au des côtés. Résultat y a pas venu, et bien Joachim Löw décidé pour le capable retourner ensemble avec Thomas Müller et Mats Hummels vin bay équipe là expérience équipe là lui-même l'étape chercher. Donc monsieur ça est venu pendant Euro, yo était dans un groupe extrêmement difficile mais yo sorti là-dedans, un groupe de la mort qui était gagné la Hongrie et le Portugal et puis la France. L'Allemagne qualifié dans groupe là. Mais l'Allemagne pendant qualification allemande yo a un seul match de référence dans la compétition, c'était contre le Portugal, côté où basculer l'équipe portugaise là. Et Portugal était sans inspiration facile. Et bien, après Matza, moi te dis, ma prétendue équipe allemande là toujours pour le capable de confirmer, est-ce qu'elle est capable de répéter même gamme ça encore face à d'autres formations, mais face à la Hongrie. Yo te nan une situation très très difficile, yo te même rivé dans un moment yo pas même gagné et place qualificatif. Donc l'Allemagne vient tomber sous l'Angleterre, jodi a anglais yo qui montré yo te meilleur que allemand yo. D'abord, on voit composition rapide équipe allemande là et équipe et anglaise là. L'Allemagne d'abord et qui éliminé te joué dans goal avec Manu Neuer en défense, yo joue en défense à 3 qui t'a gagné et Mathias Ginter arrière central à droite et puis Rudiger arrière central à gauche et puis à la couverture yo t'a gagné Mats Hummels pour t'a et constituer 3 joueurs derrière yo. Devant dans milieu terrain yo joué ensemble avec Leon Goretzka, Toni Kroos à gauche, yo gagné et Robin Gosens à droite, Joshua Kimmich et puis devant t'es gagné Thomas Müller, Kai Havertz, Timo Werner. Donc son équipe l'Europe gardé ensemble de noyau ou pas nous pas dit c'est le joueur de pied carré.
Et nous c'est le joueur qui a joué au plus haut niveau dans le football européen et le football mondial. Là. Donc, son équipe qui était capable de livrer un gros match ou bien une grosse compétition avec un joueur au gagné. Mais malheureusement, Timo Werner, depuis de Pali, dans RB Leipzig, allé dans Chelsea, monsieur vient montrer qu'il est un joueur ordinaire. Monsieur montrer qu'il gagne une maladresse énorme devant goal. Question qu'on fait goal là, il pas gagné malgré lui toujours présent devant les buts. Malheureusement pour lui, son joueur vraiment une maladresse énorme. Mais là nous regardons l'équipe là, si nous prenons par exemple Anthony Kroos qui c'est une pigou milieu de terrain football là qu'on est malheureusement qui a joué dernier tournoi international là d'ailleurs il était dit ça. Football là pour perdu un autre gros milieu de terrain encore j'aime de dire hier après Luka Modric et même que monsieur encore jeune que Luka et mais nous pas pour la sélection allemande encore et Iniesta, Xavi et puis Zinedine Zidane, Andrea Pirlo pour nous citer ça seulement. Et Leon Goretzka, Toni Kroos gagne complémentarité dans notre jeu. Toni Kroos c'est lui même qui a équipe là. Tempo, capable équipe en rythme, lorsque pour nous aller rapide avec ballon et les pour équipe là capable de geler jouet là. Et puis Léon Goretzka qui a une capacité pour capable mettre muscle, c'est-à-dire pour densifier milieu de terrain en même temps pour bonifier, projeter vers l'avant puisque lui doté de une très bonne frappe à des balles, pied gauche, pied droite et puis et présence physique lui et permettre li dominer à rien équipe adverse. Donc l'ordre du jeu ça yo ou l'Allemagne gagne élément Robin Gosens depuis un Atalanta Bergame c'est vrai c'est une petite équipe mais là nous prend Atalanta sous trois dernières saisons qui se passent là yo son équipe joue un gros niveau football. Il y a un niveau football très très élevé, ça qui fait l'arrivée en Europe, tout le monde remet garder, m'a parlé de la Ligue des Champions. Joshua Kimmich pas gain trop bagay nous parler sur Joshua Kimmich qui sous circuit depuis environ 6 ans qui toujours gagne une régularité énorme, un joueur utile, un joueur qui gagne capacité pour jouer comme arrière droit, il gagne capacité pour jouer dans notre jeu et même avec Pep Guardiola, il t'a fait paraître Guardiola te connait le fait arrière central. Son polyvalence vraiment énorme pour jeune joueur ça. Et puis Kai Havertz, jeune joueur qui a compté même que et son mi-fig, mi-raisin, mais quand même qui était capable utile, Thomas Müller était capable utile, mais malheureusement équipe allemande là, il pas à la hauteur dans la compétition. L'Allemagne perdu 2 goals à 0 face avec l'Angleterre qui jouait avec Jordan Pickford et un goal en défense centrale. Vous jouez en défense à 3, même genre avec Almayo, Kyle Walker, arrière central droit, Harry Maguire, arrière central gauche, et puis John Stones, li à la couverture. Devant, Calvin Phillips avec Declan Rice, dans le terrain, un milieu de terrain vraiment intéressant, moi j'aime en pile. Et à gauche, Luke Shaw comme piston gauche, et puis Kieran Trippier, piston droit, et devant, Bukayo Saka, qui a payé l'équipe là, en pile et dribble, et puis Raheem Sterling, nous avons besoin d'aller pour fou ça, mais c'est le meilleur joueur anglais pendant la compétition, et Harry Kane, heureusement, je dis en limaqué pour l'Angleterre. Sur le plan tactique, nous sommes capables de dire rapidement, Gareth Southgate fait un travail vraiment intéressant sur le plan tactique. Puisque yo pas jamais essayé d'unir. Yo toujours uni. Ouais, solidarité défensive là, li toujours fait pour l'équipe capable de jouer une compacité à pour empêcher Toni Kroos jouer en profondeur. Parce que Toni Kroos, force li, c'est toujours chercher verticalité terrien. Et bien, lorsque ou bien un joueur qui est capable de couper relation Toni Kroos avec un joueur offensif, et bien donc là, on est capable de dire c'est condamné ou condamné équipe allemande là. Léon Goretzka qui est capable de projeter vers l'avant, mais ce n'est pas un joueur comme si qui gagne capacité pour porter le ballon pour aller vers l'avant, libre aller sans ballon. Gosens peut alimenter Jodia, puisque il a coupé relation Toni Kroos là. De même, sous couloir droit,
Et bien ça qui vient empêcher l'équipe allemande là de même ni jouer football yo te souhaité jouer à anglais yo mettez en pile densité à chaque fois yo sans ballon et là yo gen ballon en tout yo pas affolé pour yo laisser trop intervalle là yo sans ballon pour équipe allemande là pas river joindre doyo même que dans match là l'Allemagne joue une possibilité ça surtout et avec Thomas Müller mais malheureusement Thomas Müller li rate gol là. Faut nous dire premier goal équipe et anglaise là, li tapral la vini en seconde période avec Raheem Sterling sur une belle phase de jeu et Raheem Sterling c'est lui-même qui a amené action hein, puisque équipe anglaise là, il a distillé et des passes et Raheem Sterling li mettait accélérateur pour déstabiliser bloc équipe allemande là et puis joindre et couloir yo et prolongement en fait pour Luke Shaw fait centre rasol là et Raheem Sterling paraît limiter ballon en goal. Deuxième goal là qui t'a pas fini avec Arigen qui marque de la tête, c'est pratiquement même action hein, et yo attaquant placé, plusieurs passes qui fait et puis centre de Grealish ou tête d'Arigen, deuxième goal sur le stade Wembley et a chauffé, enragé, moun après le mouy, Press William qui était dans le stade, content, li perdit tout tête li pour le capable voler en l'air, puisque l'Angleterre a mené du goal à zéro sous l'Allemagne. Bat Allemagne, dit yon paquet de bagaille. Bat Allemagne, dit ou prend ascendant sous meilleure équipe en Europe là. Parce que l'Allemagne, que l'on veut ou non,